Donc, c'est la stratégie la plus efficace, étant donné que j'ai une multiplication. Ce qu'on peut se dire, c'est que ce calcul-là équivaut à la même chose que 1,5 fois 6, parce que je peux faire comme le 12 divisé par 2. Donc, j'aurais pu aussi décider de faire 1,5 divisé par 2, mais moi, j'essaie d'avoir le moins possible des nombres décimaux. Alors, quand je fais 1,5 fois 6, ben, j'ai juste ce calcul-là à faire, donc 1,5. Je vais aussi mettre 1,5 à l'étage du haut, puis le 6 à l'étage du bas, comme ça, ben, j'ai juste comme une rangée à faire. Fait que si ça me donne 9. Fait que pour ceux qui se demandent pourquoi on peut faire ça, ben, ici, quand j'ai 1,5 fois 12, la barre de fraction, c'est un peu comme une division. Donc, c'est comme si je divisais par 2. Donc, une fois que j'ai ça, fois 12, fois, lui, c'est comme si c'était sur un, une demi. Puis, étant donné que la multiplication est associative, ça veut dire que, mettons, je multiplie plein de choses, je peux toutes les faire dans l'ordre que je veux. Fait qu'ici, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai fait le 12 fois une demi. Fait que 12 divisé par 2, c'est la même chose. Fois, fait que ça fait 6. Puis après ça, j'avais juste à faire 1,5 fois 6.